Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, ce que je dois taire, et ce que je dois faire pour procurer ta gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Amen. Bonjour Michel. Bonjour Mathieu. T'as bien dormi? Oui. La nuit a pas été trop courte? Ça va. Bon. J'étais à l'équipe d'ACO là, chez, chez Marie-France et François. Le petit déjeuner est un véritable rituel. Déjà, j'arrive toujours en retard. Ensuite, on grille toujours le pain, même s'il est frais, c'est la tradition. Et puis on échange toujours sur les rencontres de la veille. Que ce soit une réunion de travail, ou un dîner chez des paroissiens, ou une sortie allant de la conférence débat au dernier film intéressant au cinéma. C'est aussi là que se posent les questions importantes ou les confidences sur notre ministère. Pour moi, c'est une bénédiction d'avoir un curé de la génération du dessus qui m'aide à démêler des trucs ou qui me rend attentif à des réalités du ministère du prêtre qui m'échappent encore. En fait, on devient chaque jour un peu plus prêtre. C'est aussi la prière qui nous unit. Elle est au cœur de notre vie comme un dialogue incessant avec Jésus qui nous fait prier les psaumes, qui nous tourne vers le Père. C'est 5 fois par jour que, là où nous sommes, nous prenons le temps de nous unir à toute l'Église qui prie, qui porte le monde dans sa prière. Accepte la nôtre pour ta gloire. Pour ta plus grande gloire. Maître de l'histoire, tu agis au cœur des hommes. Donne-nous de construire avec toi ton royaume. Pour ta plus grande gloire. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux que nous allons rencontrer en ce jour. Donne-nous d'être des témoins de ton amour. Et bonjour. Comment ça va ? Bien, on a parlé de la prière, ouais. Mmh. Et de votre relation à Dieu, c'était assez sympa, je me souviens. Est-ce que le petit travail pratique, c'était de faire rentrer un peu plus Dieu dans votre relation, vous y arrivez ou c'est galère? En fait, moi j'ai quand même un peu plus de mal. Enfin, c'est pas que ça me vient moins naturellement. Ça m'arrive vraiment moins naturellement. Ça me vient pas comme ça. J'ai vraiment. Enfin, c'est toi qui le vous voyais et qui n'avait pas d'image. Ouais. Donc c'est pas facile. Non, t'as réussi à en trouver une ou c'est encore assez lointain? Non, c'est assez lointain encore. Okay. Ce texte-là, on a vraiment l'impression quand on l'écoute. Moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre plusieurs fois dans d'autres messes de mariage de mes amis ou de ma famille et il m'a toujours beaucoup parlé quoi. Ouais, c'est des mots très simples, mais qui parlent vraiment de l'amour. Quoi. Donc, okay. Je pense que pour mariage, voyez, c'est... Moi, ce que je trouve très beau dans ce texte, c'est qu'il situe bien l'amour comme don de Dieu. Mm-hmm. C'est ça qui est fortiche. L'Église, donc vos familles, les amis, l'Assemblée qui sera là, et le prêtre lui-même, qui vous appelle à échanger vos consentements, sont les témoins du sacrement que vous allez vous donner. Mm-hmm. C'est ça qui est important. Mm-hmm. De comprendre que par votre oui libre et conditionné en quelque sorte par les piliers du mariage dont on a parlé, mm-hmm. par un oui profond à ce mariage chrétien, vous entrez dans une réalité qui vous dépasse, où Dieu agit lui-même. Bonjour mesdames, excusez-moi de vous déranger. Ça va bien? Ça va? Oui.
Toi. Et ça va, ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Alors écoute. Ouais, ça serait quand même bien que tu la joignes ce matin. Ok. Elle est très sympa, là, elle commence un petit peu à insister. D'accord. Que c'est bon, tu la rappelles. D'accord. Je la rappelle, pas de problème. D'accord. Ok, merci. Bonne matinée. Bonne matinée à toi aussi. Et puis bon courage pour l'enterrement. Merci. Excuse-moi. Bonjour, père Mathieu. Je peux vous voir? Oui. Il y en a pour 5 minutes, il n'y en a pas pour longtemps. C'est pour la retraite communion. Retraite communion, ok. Sur le pardon. Écoute, je vais à l'enterrement, là. Je reviens vers midi. Tu seras encore là? Oui, je vous attends. Alors, on en parle à ce moment-là. Bon, alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne matinée. La célébration des obsèques n'est jamais une partie de plaisir. La mort est dans chacune de nos vies un déchirement, un non-sens apparent, la fin de toute parole raisonnable. Mon rôle consiste à faire surgir du silence la parole de Dieu. Dieu a ressuscité son Fils pour que nous ayons la vie avec lui et que notre joie soit parfaite. Il y a bien des situations où cela n'est pas évident à dire. Un jour, je sortais de l'enterrement d'un enfant de 5 ans, Ryan, en pleurant comme une madeleine. Et j'ai carrément crié vers Dieu en lui disant « Pourquoi moi? Pourquoi me confier une tâche si difficile ?» Et il m'a fait comprendre de l'intérieur, comme il nous parle souvent, « Je veux avoir besoin de toi pour manifester la force de mon amour. » Ah, Marguerite. Bon, alors, dis-moi j'ai donc. J'ai tout compris. Ce que tu mets est impeccable. Bon, ça a l'air d'être une famille très, très gentille. Très oh, oui, très agréable. Bon, très, avec très agréable. Avec des grandes qualités de la maman. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, pour moi, est-ce qu'on fait la demande de pardon? On va faire la demande de pardon, et oui. Puis le... Et puis, l'Ave Maria. L'Ave Maria, tu vois. L'Ave Maria comme au d'habitude. Moment de l'encens. Ok, ça on marche. Comme ça. Très bien. Merci, Michel. D'habitude. Merci. À tout de suite. Paradoxalement, j'aime beaucoup ces célébrations, qui sont un véritable service de la foi et de l'espérance. La parole et les signes du baptême que nous mettons en œuvre aident l'Assemblée à entrer dans une paix qui nous dépasse nous-mêmes. Avec les personnes qui nous aident admirablement dans l'accueil des familles et dans la célébration elle-même, nous ressentons souvent l'action du Christ qui pardonne, qui apaise, qui console. Et cette action est source de joie et de reconnaissance.
ben voilà, ben ça y est, c'est fini. Ça s'est bien passé, je dis ok, c'est parfait. Attends. Je me fais pas quand même à tout chagrin qu'ils ont les uns les autres. C'est une situation un peu dure. Tout à fait. Hein. Bon, enfin, attends, tout à fait. Quand tu perds ta maman, tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de. T'es jamais pas, habitué à. Il n'y a pas d'âge, hein, surtout. Ouais. Est-ce que je peux vous laisser fermer? Parce que je suis assez pressée. Ok, ça va? Ok, à bientôt. Je vous embrasse. Merci, Michel. C'était parfait. Salut. Salut Margaret. Puis moi j'avais oublié de débrancher mon téléphone. Je crois que ça s'est pas entendu. Salut. Tiens Mathieu, bonjour. Ça va bien ? Ça va. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? Le temps n'est pas génial, mais ça va. Non, un petit peu de neige, mais bon, ça glisse pas, donc c'est déjà bien. Je vais me prendre de l'entrecôte. Oui, combien ? C'est pour... on est trois. De très belles entrecôtes. C'est tout pour aujourd'hui, mon père ? Ce sera tout, c'est tout ? Très bien. Toc. Un grand merci. Voilà. Bonne journée. Merci bien, bonne journée, merci. Tu leur fais écrire sur une petite feuille leur péché. Oui. D'accord, super. Okay. On fait écrire ça aux enfants. Mm-hmm. Ensuite, chaque équipe partira avec un temps 5 ou 6 minutes les uns derrière les autres à l'église pour rencontrer les prêtres. Ok. Et dans quelle partie de l'église allez-vous vous mettre ? Alors attends, ils arrivent équipe par équipe. Ça va faire donc, à 6 ou 7 enfants avec leur animateur caté. On sera 3 prêtres. L'idéal, ça serait, tu vois, pour avoir une ambiance un petit peu tamisée, on ne mettra pas tout l'éclairage à fond, on aura une ambiance tamisée, limite éclairée par les lumignons eux-mêmes, parce que j'aimerais leur faire sentir, en fait, moi, cette espèce de chaleur de l'amour de Dieu, quoi. Donc, les trois prêtres, dans des coins où ils sont comme un peu en retrait, sans être cachés dans un confessionnal, hein, évidemment, et puis les lumignons surtout, qui est au centre de nous deux, tu vois, par rapport à... Et les petits lumignons, ce qui serait bien, c'est qu'ils les emmènent vers l'icône après, qu'ils les déposent tout autour de l'icône. Tu la mets où, ton icône ? On va le mettre dans le cœur. Ok, super, à l'église. Super. Ok. Et donc chacun reçoit son lumignon, après avoir reçu le pardon, et va la mettre devant l'icône. Devant l'icône. Ouais, super, ça me paraît bien comme ça. Mais moi, j'aimerais que l'on fasse comprendre aux enfants que le sacrement là, qu'ils vont recevoir est libérateur. Tu vois, cette merveille que je vous ai concoctée, c'est une recette d'un paroissien. Je l'ai faite lundi pour des amis. Ouais. Ah oui. Et après ça, t'as encore des amis? T'es vraiment immonde. Dans notre paroisse, nous avons aussi la chance d'accueillir un séminariste en stage. Ils viennent comme ça régulièrement dans le temps de la formation. Cela nous permet d'avoir des nouvelles du séminaire, les derniers ragots en quelque sorte, les dernières trouvailles aussi de nos chers théologiens ou exégètes, et à l'occasion aussi de passer un peu plus de temps à table pour former l'apprenti. Mais j'exagère parce qu'en fait, c'est souvent le regard du futur prêtre capable de nous questionner ou de remettre en cause ce que nous faisons qui nous oblige à nous améliorer. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés, je les aime. Je médite sur tes ordres. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
selon les jours, j'ai plus ou moins la liberté de faire avancer un dossier ou un autre. De la préparation d'un temps fort de jeûne à l'approfondissement de la parole de Dieu pour l'homélie. Mais parfois, je fais un peu dans l'urgence. Cela m'oblige à m'en remettre un peu plus encore à l'esprit. De la première lettre de Saint Jacques. Frère, si l'un de vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante le Seigneur. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'ancien. Ils prieront sur lui après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Vous allez où ? On est trop en retard. Ok, montez. Je vous mets à quel niveau ? Tu nous déposes un petit peu avant, comme ça on arrivera à essouffler, ça fera style. Attends, c'est un mensonge ça. Ouais. Ouais, mais il faut que ce soit réaliste hein, quand même. Parce que... Mon ouais, père. Bah, toi aussi. Merci. Je vous garde. Au revoir. Salut Sylvain, tu vas bien ? Ça va Mathieu ? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Et pas grand chose, t'es pas en cours toi ? Non, j'ai pas à cours cet après-midi. Bon, trop fort. C'est là, je vais rentrer chez moi là, vu que j'ai pas cours. Bon, c'est bien. Eh bien, écoute, bonne soirée. Attends. Ouais. J'ai un service à te demander en fait, c'est pour demain, parce que demain j'ai un gros contrôle. Ouais. C'est une mathématique à 2h30. Ouais. Et en fait, je voudrais que tu pries pour moi. Je prie pour toi. Ouais. Parce que tu crois vraiment que le Bondy n'a rien d'autre à foutre. À 2h30 demain, c'est ça ? Ouais, de te donner une bonne note ? Bah ouais. Pour moi, franchement, à 2h30, je sais pas ce qu'il aurait d'autre à faire quoi. Pour moi, c'est pas mal répondu. Pour toi, il a rien d'autre à faire. Bon, ok, d'accord. On fait comme ça. Demain à 2h30 ou un peu avant, hein, je prie pour toi et je lui demande seulement que tu donnes le meilleur de toi-même. Ça va ? On s'arrête là. Ok, d'accord. Ouais, bonne soirée. À bientôt. Liturgique. Là, c'est le brouillon, c'est Eric Renaud qui m'a donné complément d'information. T'as le mien aussi ? Oui, j'ai eu le tien aussi, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai une corrélation entre les deux, je tape ça cet après-midi. Avec. Et puis, je te mets ça dans ta bannette. Et puis, s'il y a des corrections effectuées, tu me mets sur un petit post-it comme d'habitude. T'auras peut-être pas le temps de le taper, mais on verra. Il y a autre chose ou... Pour vendredi, une demande d'obsèques. Okay. 14h, Mézières. Vendredi, 14h, Mézières. Est-ce que tu as une possibilité ou pas ? Ou est-ce qu'il faut décaler un tout petit peu ? Et si tu le demandes 14h30, c'est mieux parce que à midi et demi, je serai à Morpa. Bon, écoute, et je pense qu'il n'y aura pas de souci avec ces pompes funèbres. 14h30, ouais, tu me confirmes ? 14h30, je te confirme à Mézières. Okay. C'est l'enterrement de monsieur Pierre, il avait 53 ans. 53 ans ? Ouais. Excuse-moi, tu permets ? Je t'en prie. Allô ? Oui, Émilie, 2 secondes, je suis à toi dans 2 secondes. Excuse-moi. Je t'en prie. Il y avait autre chose ou pas ? Bah écoute, rien d'important. Je crois que je peux te laisser continuer à ta fin de journée. Merci beaucoup. Pas de problème. Tout à l'heure. Peut-être à ce soir. Ouais. Au revoir. Allô, Billy. Ouais. Ça va la petite sœur ? Ouais. Pour l'anniversaire de papa ? Ah, c'est pas bête. Bon, mais écoute, je participe. Lecteur DVD, je te donne 50 euros. Je vous ferai le chèque en arrivant. À bientôt. Salut, je t'embrasse. Mathieu, voici un petit message de Philippe. N'oublie pas, ce soir on t'attend pour dîner, vers 8h moins le quart. Tu seras libre à 8h30, comme promis pour ta réunion. À ce soir.
L'accompagnement spirituel a toujours tenu une place importante dans ma vie. Et encore aujourd'hui, je vois mon père spirituel tous les mois, et j'y tiens beaucoup. Le prêtre qui accompagne représente l'écoute de Dieu. C'est devant lui que je relis ma vie. Dans l'accompagnement, on est donc trois, et au détour d'une phrase ou d'une question, le Seigneur guide et suggère la route à suivre. Pour le prêtre, c'est une école d'humilité, où l'on apprend à ne pas aller plus vite que Dieu, qui est patience et amour. La qualité des personnes que j'accompagne en fait aussi un lieu d'action de grâce. Ça te dérange pas, je peux te poser des questions un peu concrètes sur la prière, ça va bien montrer les choses, quoi. La première, il y a 5 questions, hein. T'es prêt? Ouais. La première, quand tu pries, tu l'appelles comment? Seigneur Jésus, généralement. Je prie Jésus et... Seigneur, parfois il y a les deux, Seigneur Jésus. Voilà. Le respectueux Seigneur et le Jésus tout proche. Ouais, ouais, voilà, les deux. Ok, c'est bien. Tu le tutoies ou tu le vouvoies? Non, je tutoie plus. Ouais. Mais il y a des... Enfin, en général, je tutoie. Parce que c'est plus proche. Mais des fois, je vous vois, c'est quand je suis pas trop fier de moi. Ou... Quand t'as fait une grosse connerie. Ouais, ok. Pardon. Bon, mais ce qui domine, c'est le tutoie. Ouais. Ok. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, je viens pour demander le baptême pour notre troisième enfant, Bastien. Super. Qui est né il y a 3 mois. D'accord. Tout juste 3 mois, là? Oui, à 2-3 jours. C'est vraiment un tout petit que vous allez présenter à Dieu. Voilà. Il n'y a plus de dialogue. Nous sommes complètement bloqués par rapport à eux. Et eux-mêmes, du coup, se bloquent complètement par rapport à nous. Et vous avez vu, au niveau de l'accompagnement familial, par exemple, il y a quelqu'un de la famille, ou même, à la limite, on pourrait imaginer un professionnel qui aide à faire le lien, ou qui sert de médiateur? Ou c'est ça que vous attendez de moi? Tout à fait. Tout à fait. Je peux vous parler librement, et cette parole avec vous peut être ouverte. Avec eux, je ne peux plus. Le fait que je vous connaisse me permet de vous parler. Voilà, Père Mathieu, je viens vous voir pour une messe à l'intention de ma belle-mère, Madeleine, décédée au mois de mars depuis 11 ans. Au mois de mars dernier, là? Mois de mars 1993, donc depuis 11 ans. D'accord, donc c'est pas tout juste, enfin pour toi c'est... Voilà. D'accord. Oui. Et pour Justine, ma belle-sœur, décédée au mois de mars 2002, donc depuis 2 ans. Les mois de mars dans la famille sont... Voilà. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils. Vers 16 ans, j'étais en pleine crise d'ado, et j'avais bien envoyé balader toute pratique religieuse. Quand un ami me révéla qu'il priait chaque jour le rosaire. Le rosaire, 3 chapelets. Et au lieu de trouver cela ridicule, c'est moi qui me suis senti vraiment bête. Et j'ai décidé d'entrer dans l'église la plus proche, où je me suis mis à genoux, devant le tabernacle, les yeux rivés sur la petite lumière rouge. Et là, j'ai dit au Seigneur, « Je veux revenir. Dis-moi quelque chose, je t'en prie. »
Évidemment, rien ne s'est passé d'extraordinaire. Aucune statue n'a bougé. Sauf qu'à 19h15, un prêtre en chasuble est entré pour dire la messe. Quelques personnes étaient arrivées entre-temps, et je restais donc à cette messe de semaine d'une demi-heure. Je ne me souviens même pas des lectures, mais au moment où le prêtre a pris le pain et dit les paroles de la consécration, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » J'ai senti de tout mon être qu'il était présent et qu'il m'aimait, au point qu'après avoir communié, je lui ai promis de revenir chaque jour à cette messe qui est donc devenue mon rendez-vous vraiment secret avec Jésus. Tous les soirs, je m'y rendais, sans pourtant imaginer que cette amitié me conduirait un jour à lui donner ma vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Une maîtresse ? Oui. Sympa. Elle rigole souvent. Elle rigole souvent ? Mais de vos blagues ou... De tout, un peu quand on rigole. Quand vous faites les oeufs, elle rigole pas. Non. Elle est sévère un peu quand même ? Ça, oui quand même. Et par rapport à la classe, t'as des notes convenables ou... Oui. Oui. Parce qu'à Noël, j'ai jamais eu un aussi bon carnet. T'as jamais eu un aussi bon carnet qu'à Noël, là ? Dernier ? Ouais, elle travaille très bien, juste. C'est génial, non, ça. Non, mais c'est vrai, hein. Les parents sont fiers. Ouais. Ah ouais. J'ai pas eu beaucoup de réponses sur l'invitation. Une vingtaine. Hein. S'ils sont toujours assez imprévus, je pense que oui, une vingtaine. Ah, vous vous souvenez qu'on a déjà parlé du spiritisme, des miracles. Alors je vous propose ce soir de parler de l'Esprit Saint. Ah, le bonheur, il adore enchaîner. Ça va, on essaie de suivre un petit peu. Le triangle. Par rapport aux images qu'on vient de voir. Vous avez déjà fait toute une séance sur le spiritisme, hein, c'est ce que Claudie disait. Ouais. Là, vous voyez qu'on est dans un registre de relations complètement différent. Dans la Bible, on avait dit que c'était interdit de dialoguer comme ceux qui font du spiritisme, genre, ouais. Appelle les morts. Ouais, d'accord. Et alors ? Bah, donc, là, on parle de Esprit Saint. Ouais. Donc, c'est quoi, en fait, la différence ? Parce que là, on a le droit de dialoguer avec l'Esprit Saint. D'accord, la différence entre du spiritisme et la prière à l'Esprit Saint, quoi. Oui, il y a esprit, spiritisme, esprit. Okay. Donc là, tu vas directement au cœur du sujet. Je crois que la différence, telle que la Bible le montre, et puis l'expérience spirituelle surtout, des saints et puis de toute l'Église le montre, c'est que le lien à l'Esprit Saint est le seul lien qui libère. Quand pour ceux, puisque vous en avez parlé, qui ont fait du spiritisme, on se rend bien compte que dans le spiritisme, il y a un lien malsain qui s'instaure, où on a envie de connaître un truc et tout ça, et donc il y a une espèce de dépendance qui s'instaure. Avec l'Esprit Saint, on est dans une dépendance de liberté. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons.
Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.